Bon mardi, bienvenue dans votre émission La Victoire de l'amour. Si vous saviez comment je suis heureux de vous retrouver depuis plus de 24 ans pour qu'on puisse ensemble méditer sur la priorité des priorités qui est la parole de Dieu. Et aujourd'hui, on rejoint quelqu'un qu'on apprécie beaucoup pour un vent de fraîcheur, Brigitte. Bon matin tout le monde, j'espère que vous allez bien. Que vous êtes toujours dans votre combat spirituel, bien à l'écoute de ce combat. Bon, on n'est pas toujours en train de se battre, là. Des fois, ça va bien, puis on respire. Ça va bien, mais quand ça arrive, on est aux aguets. On est aux aguets. On ne se laisse pas avoir. On essaye de ne pas se laisser avoir par ce mauvais esprit qui est toujours là, hein. Et qui rôde, comme dit Saint-Pierre. Il rôde autour comme un lion rugissant. Quelle image! Il rôde comme un lion rugissant. Et puis Saint-Paul qui dit « Revêtez l'armure, mettez le casque du salut, la ceinture de la vérité, le glaive de la foi, de la parole de Dieu. » Pour résister aux flèches enflammées du démon. Waouh! Ça, je trouve ça épique, comme disent mes enfants. Mais c'est épique. Oui, avec Dieu, c'est épique. On s'ennuie pas. Alors, le bon esprit, le Saint-Esprit, il nous enracine dans l'espérance. Une espérance invincible. Invincible. Une espérance d'une vie éternelle. C'est ça qui fait l'Esprit-Saint. Il nous enracine là-dedans. On a les deux pieds bien ancrés dans l'espérance. Mais le mauvais esprit, lui, soudainement, vous allez voir que c'est toujours soudain, soudainement, il va nous plonger dans le désespoir. Le désespoir et la désespérance qui est encore plus profond, là. On ne voit pas le bout. On ne voit pas la lumière au bout du tunnel. Puis quand on voit une lumière, c'est un train, puis il fonce, puis il va nous rentrer dedans. C'est à peu près ça. Alors, ça, c'est ce combat-là. Autre chose que l'Esprit-Saint nous aide, c'est qu'il entretient l'amour et l'ouverture à l'autre en nous. Il entretient l'amour. Il nous fait toujours voir toutes les facettes de l'amour. L'amour est ouverture à l'autre, tout en restant nous-mêmes, tout en restant bien ancré en nous-mêmes. Hein? On ne s'évapore pas dans l'ouverture, là. On ne devient pas transparent puis que tout ne peut nous changer. Non, on reste bien nous-mêmes, mais on est ouvert à l'autre, dans l'accueil à l'autre. Le mauvais esprit, il va favoriser l'égoïsme et le repli sur soi. Alors, dès qu'on est replié sur nous, oh non, les impurs, là, ça, c'est pas l'amour. Ça, c'est pas l'Esprit Saint. Ça, c'est le mauvais esprit. Les impurs, là, avec qui je peux pas manger, avec qui je peux pas partager, avec qui je peux pas travailler, avec qui je peux pas être ami Facebook, hein? Non. Ça, c'est pas l'amour. Alors, on sait que c'est pas l'Esprit-Saint, on sait que c'est le mauvais esprit dès qu'on rentre dans l'égoïsme et le repli sur soi. Alors, on continue la semaine prochaine. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
La caravane de la victoire de l'amour vous invite au sanctuaire Notre-Dame-du-Cap le samedi 17 août en compagnie du Père Michel-Marie de Paris, Monseigneur Pierre-Olivier Tremblay, Brigitte Bédard et Sylvain Charron, sous le thème « Venez à moi, vous tous qui peinez, et je vous donnerai le repos ». Conférence du Père Michel-Marie, célébration eucharistique, spectacle du Père Michel-Marie tout en chanson, dîner et souper inclus, transport en autocar de luxe au départ de plusieurs villes du Québec, à partir de seulement 149 $. Réservé au 1-877-277-4412. Je prends quelques instants pour solliciter votre aide pour le ministère de la Victoire de l'amour. Comme je vous le disais la semaine dernière, les mois d'été, c'est toujours les plus difficiles, juillet en particulier. Alors, c'est pourquoi il n'y aura pas de cadeau du mois et c'est toujours un risque lorsqu'il n'y a pas de cadeau parce qu'il y a des gens qui se disent « ben moi, s'il n'y a pas de cadeau, je ne donnerai pas », ce qui est triste d'ailleurs, mais on prend ce risque-là et je confie cette situation à Marie, qui est Notre-Dame de la Providence, afin qu'elle prenne soin de la Victoire de l'amour et évidemment qu'elle vous inspire le geste à faire pour ce mois de juillet. Et comme je vous dis, il n'y aura pas de cadeau du mois. Le plus beau cadeau qu'on peut vous faire, c'est d'avoir ces émissions depuis plus de 24 ans, 7 jours par semaine, sans interruption. Ça tient absolument du miracle. Je vous donne l'adresse en vous remerciant de tout cœur de votre don spécial de l'été 2019. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B5E6. Je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B5E6. Également par téléphone, par carte de crédit, du lundi au jeudi pour la période estivale de 8h à 17h dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291. Et aussi sur notre site Internet, vous savez que c'est une façon très rapide et très sécuritaire de faire votre don, c'est le www.lavictoiredelamour.org. Alors, merci de tout cœur, même s'il n'y a pas de cadeau du mois, de faire un don tout à fait spécial pour la Victoire de l'amour, parce que vous savez que sans vous, ce ministère-là ne pourrait pas exister. Mais merci parce que ça fait plus de 24 ans que nous sommes ensemble. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par notre ami, l'abbé Stéphane Roy. Bonjour à toi aujourd'hui et bon mardi matin. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Ils sortirent et voici qu'on présenta à Jésus un possédé qui était sourd-muet. Lorsque le démon eut été expulsé, le sourd-muet se mit à parler. Les foules furent dans l'admiration et elles disaient « Jamais rien de pareil ne s'est vu en Israël. » Mais les pharisiens disaient « C'est par le chef des démons qu'il expulse les démons. » Et Jésus parcourait toutes les villes et tous les villages, enseignant dans leur synagogue, proclamant l'Évangile du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant les foules, Jésus fut saisi de compassion envers elles, parce qu'elles étaient désemparées et abattues comme des brebis sans berger. Il dit alors à ses disciples, « La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. » Une expression qui est courante aujourd'hui, dont le Saint-Père et les évêques nous parlent souvent, c'est une église en sortie. Une église en sortie. Ce qui est extraordinaire là-dedans, c'est qu'une église en sortie, c'est une église qui est en dedans. C'est une église qui, en psychologie humaniste, j'ai appris, il faut qu'il y ait mouvement. Hein? On va chez l'autre pour revenir chez soi. Et on s'enrichit. Et tout en sortant, on enrichit l'autre chez qui on va. L'Église en sortie, elle doit l'être parce que Jésus sort. Parce que Jésus est sorti de son mystère. Parce que Jésus s'est incarné. Parce qu'il est venu jusqu'à nous et parce qu'il vient encore. Pourquoi? Parce que la vie de l'Église et la vie du chrétien, c'est Jésus.
Je me rappelle, dans les tout premiers temps de son pontificat, le pape François nous a répété « Jésus, c'est la richesse de l'Église. Jésus doit être notre richesse. » Et voilà pourquoi, eh bien, François nous amène parfois sur un chemin de réforme, de pauvreté, de dépouillement, pour qu'on s'en ramène à Jésus. Une des choses qui me frappe dans ce texte, eh bien, c'est la compassion. Vous savez, quand on fait une recherche sur Internet sur la compassion, très souvent, on va tomber sur des textes, eh bien, de d'autres religions, de d'autres spiritualités. On sait, par exemple, que le Dalai Lama, hein, s'est fait un messager de la compassion et que le bouddhisme qu'il présente, eh bien, se veut une philosophie de compassion. Et c'est bien. Mais souvent, on oublie que le christianisme, dans son essence, est une religion, est une spiritualité, est une voie de compassion. De Dieu qui a dit à Moïse sur le Sinaï, « J'ai entendu le cri de mon peuple, j'ai vu sa misère. Va! » Et quand Pharaon va te rejeter, c'est pas toi qui vas rejeter, c'est moi. À Jésus qui est sur la croix crucifié, plaie vive de la tête aux pieds, eh bien, on voit que le christianisme est une religion de compassion. Et aujourd'hui, le texte nous parle de la compassion intérieure de Jésus. Il voit et il est pris de compassion. Et dans cette compassion, bien sûr, Jésus va soigner, il va chérir, il va embrasser, il va consoler, il va relever. Mais aussi, il va nous dire, « Priez donc le maître de la moisson, que la compassion ne reste pas juste en moi, mais aussi aille dans votre cœur. La moisson est abondante. Le monde est en feu, comme dirait Thérèse d'Avila. La misère, elle est là. » Il va nous dire, « Des pauvres, vous en aurez toujours. » Et donc, toujours, nous avons besoin de la compassion. Toujours, nous avons besoin de l'amour. Nous avons besoin que des bras se tendent, que des visages s'éclairent. Et puis, que des gestes se posent, que des paroles douces se prononcent, parce que la compassion n'est jamais une chose démodée, mais toujours actuelle. Qui n'a pas besoin, eh bien, justement, de la compassion de Dieu? Que le Seigneur te bénisse aujourd'hui, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous invite à réserver très rapidement pour cette belle journée du samedi 17 août prochain au Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap. C'est la caravane de la Victoire de l'amour. Déjà, des centaines et des centaines de personnes ont réservé. C'est une journée seulement, c'est samedi le 17 août, avec le bon père Michel-Marie de Paris. Il y aura aussi Mgr Pierre-Olivier Tremblay, Brigitte sera là, moi également. Et le thème, « Venez à moi, vous tous qui peinez, et je vous donnerai le repos ». Dans la journée, conférence du père Michel-Marie, célébration eucharistique, et le tout se termine avec un spectacle, tout en chanson avec le bon père Michel-Marie. Ce qui est compris dans le prix, c'est transport en autocar de luxe, le dîner, le souper, toutes les taxes, tous les pourboires, tout est inclus. Et je vous donne les villes de départ des autobus. Drummondville, Gatineau, Granby, Laval, Longueuil, Montréal, Québec, Sherbrooke, Saint-Hyacinthe, Valleyfield, Beauce, Bois-Franc et Lanaudière. À demain. Bye. Parce que j'aurais guéri votre cancer, mais vous allez vivre comme un cancéreux. Et c'est pas ça mon but. Mon but, c'est que vous viviez comme une personne entière et pleine, une personne qui a eu un événement dans sa vie, mais qui ne la définit pas en soi, qui est seulement une partie de son expérience, puis qui va bâtir sur cette expérience-là pour justement goûter plus